se lwa di fe liye. Ou se lwa la geli. Mwen di pe aliman le miso. Ou batala. Matondo, matondo na tatanzambi ya mazulu. À notre puissant roi Isaiah Kongo qui revient bientôt pour délivrer son peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de Couche. Alors aujourd'hui, on va vous révéler le nom de Dieu dans la Bible parce qu'il nous l'a révélé lui-même. D'accord? Alors pour cela, nous allons nous référer aux textes originaux. Donc nous allons nous référer à l'hébreu. Et sans plus tarder, nous allons aller dans la lexique biblique. Et la correspondance ou la référence, c'est le H2289. Et qu'est-ce que nous avons? Kango ou Kongo. D'accord? Donc, là où c'est souligné Kagor, il faut savoir que dans le paléo-hébreu, le lettre finale ne se prononce pas. Parce qu'il faut savoir que le paléo-hébreu, c'est une langue consonantique. Alors, la vocalisation a été ajoutée par les Mazorètes, Khazar, donc les Édomites Khazar. Ce sont eux qui ont ajouté la vocalisation. Alors, ici, nous voyons que dans la référence H2289, nous avons le mot Kongo ou Kango. Ce n'est pas Kagor, parce que la lettre finale... Le R final ne se lit pas. Donc au lieu de lire Kagor, ça se lit Kango ou Kongo. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on donne comme signification? On dit que ça signifie la ceinture. Et nous voyons que ces mots Kongo ou Kango, dans la langue Kongo, ça veut dire aussi la ceinture. Donc ce qui prouve encore que le paléo-hébreu, c'est le Kikongo ancien, ce qui prouve encore que nous sommes le peuple élu, nous sommes le peuple, les Hébreux israélites de la Bible. Vous comprenez? Donc, et on dit quoi? On dit l'origine, ça vient de quoi? Ça vient du mot Kanga. Vous voyez là où il y a la flèche rouge. Là où c'est écrit origine, ça vient, on dit que le mot Kongo ou Kango, ça vient du verbe Kanga, qui veut dire quoi? Qui veut dire mettre, fermer la ceinture. Vous voyez? Et qu'est-ce que Kanga? Quelle est la signification du mot Kanga dans la langue Congo? C'est la même signification. C'est fermer, mettre la ceinture. Vous voyez? Donc, c'est ce qui prouve vraiment que nous parlons le paléo-hébreu au-delà du fleuve de Couche. C'est-à-dire à partir de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Donc, voilà la révélation que nous avons voulu vous montrer aujourd'hui. Vous le révéler, parce que Congo nous l'a révélé il y a bien longtemps de cela. Alors, donc nous venons de voir que Kanga, qui est le verbe, qui veut dire mettre la ceinture, fermer la ceinture, c'est en hébreu, et nous avons vu aussi qu'en langue Congo, ça a la même signification. Et c'est le mot Kanga qui a donné le mot Kongo ou Kango, qui veut dire la ceinture en hébreu, tout comme dans la langue Kongo. Vous voyez cette similitude là? C'est pour cela que je vous dis que il faut se référer aux textes originaux pour arrêter ou saisir le voleur avec l'objet qu'il nous avait volé. Donc la Bible nous appartient. Le paléo-hébreu, c'est le Kikongo ancien et les Lingala anciens. Donc voilà. Quelle est la personne qui a montré que son nom était Kongo dans sa prière? C'est Anna, c'est ce que vous appelez Anne. Mais son nom n'était pas Anne, son nom c'était Kana, qui veut dire la grâce, la faveur. Hein? Et lorsque nous allons dans 1 Samuel chapitre 2 verset 4, Anne, dans sa prière, elle dit ceci: l'arc de puissant est brisé et le faible ont la force pour ceinture. Donc pour Kongo. Hein? Donc le faible ont la force pour ceinture. Les faibles ont pour la force Kongo. Vous voyez comment c'est beau, hein?
de lire la Bible. C'est beau de découvrir hein, les révélations. Donc, en Centrafrique, on dit Kango, qui veut dire la ceinture. Ou donc Kango. Et au Congo, c'est-à-dire au Congo Brazzaville et au Congo Kinshasa, on dit Congo. Vous comprenez? Et lui-même, il dit quoi dans Des Chroniques, chapitre 7, verset 14, dans Deutéronome 28, 10, dans Ézéchiel 39, 7 à 9, dans Ésaïe 43, chapitre 7, il dit que son peuple porte son nom. C'est-à-dire, son peuple porte le nom symbolique qui est la ceinture qui symbolise la vérité, les commandements, la loi et la parole. Vous comprenez? Donc, si nous pouvons les lire, hein, nous pouvons le voir dans Éphésiens 6, 14, chapitre 14, chapitre 6, verset 14, pardon. La Bible dit ceci, les Comap dit ceci, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Donc, la vérité, c'est la ceinture. C'est la représentation symbolique de la vérité, la ceinture. Vous comprenez? Donc, voilà la révélation que je voulais vous passer aujourd'hui. Donc, dans la Bible, comme je viens de le dire, donc, il y a un peuple qui porte le nom divin, le nom de Dieu. Et ces peuples-là, on les retrouve qu'au-delà du fleuve des couches, c'est-à-dire au-delà du fleuve de Soudan, c'est-à-dire à partir de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Et ces peuples-là, c'est qui? C'est le Congo. Ok? Donc, nous sommes le seul peuple au monde, nous les Bakongo, donc nous les Congo. Parce que quand je dis les Bakongo, ça veut dire c'est l'ancien royaume Congo. Donc c'est tous les 12 tribus, pardon, c'est les 12 tribus. Et nous avons comme divin Congo. Donc Congo, c'est notre Dieu, c'est la ceinture, c'est la vérité. Et lui-même, il dit que quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. C'est comme ça qu'il s'est défini. Et lorsque vous lisez dans Jean chapitre 1, le verset 13, on dit quoi? On dit qu'au milieu de sept chandeliers, quelqu'un qui semblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Une ceinture d'or. Donc lui-même, parce qu'il faut savoir que le mot Congo, ça veut dire la ceinture, ça veut dire aussi ceinturé. Donc lui-même, il a une ceinture d'or sur sa poitrine. Et c'est comme ça qu'il avait donné l'obligation à nos aïeux, à nos ancêtres, de pouvoir. C'est comme ça que les Lévites, hein, porter. Hein, c'est comme ça que nos ancêtres portaient. Ils s'habillaient avec une ceinture sur la poitrine. Vous comprenez? Donc, voilà la révélation d'aujourd'hui. Donc, le nom divin, c'est Congo. Congo qui veut dire la ceinture, la vérité, la loi, la parole. Donc, voilà la vérité, c'est ça. La vérité, elle est en face. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Et au temps de la fin, la connaissance augmentera d'après Daniel, le chapitre Daniel 12, 4. Donc voilà. Vraiment, merci beaucoup à tous. Kembo, kembo, natata, nzambi, amazulu. Et à notre puissant roi, Malakima Kongo, Malakima Kembo, qui revient bientôt. Et on se retrouve très prochainement. Au revoir.